Quand on parle de campagne présidentielle américaine, on parle de campagnes les plus coûteuses au monde. Pour l'élection de 2024, les budgets engagés sont vertigineux. Du côté républicain, 380 millions de dollars pour Donald Trump. Et pour les démocrates, Kamala Harris peut compter sur un impressionnant milliard de dollars. À ces budgets déjà élevés, il faut ajouter les super comités d'action politique, aussi connus sous le nom de super PAC, ces organisations indépendantes, aux intérêts variés et aux dépenses non plafonnées, peuvent influencer les électeurs en les invitant à voter ou non pour un candidat. Mais qui se cache derrière ces super PAC et quels candidats soutiennent-ils? On va constater une différence très importante entre les républicains et les démocrates. L'industrie pétro-gazière et l'industrie du tabac sont majoritairement acquises au parti républicain et donc vont financer la campagne de Donald Trump. On peut également compter dans les secteurs qui financent quasiment exclusivement la campagne de Donald Trump par rapport à celle de Kamala Harris. On va avoir le lobby des armes avec l'association NRA qui prône l'usage et le port d'armes aux États-Unis. Alors que, par comparaison, le secteur audiovisuel traditionnel va financer presque exclusivement la campagne de Kamala Harris, de même que les syndicats des travailleurs. Ces financements privés sont devenus monnaie courante dans la vie politique américaine, une évolution soutenue par la Cour suprême au nom du Premier Amendement. L'ensemble des réformes qui se sont faites sur les dernières décennies aux États-Unis, elles ont conduit à une libéralisation de la vie politique américaine par des financements privés, mais il y a eu des volontés de limiter les financements privés. Et en fait, ces tentatives, elles ont systématiquement échoué parce que la Cour suprême a toujours fait valoir une vision très stricte du premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Et donc, il faut donner les moyens à cette liberté d'expression. Par conséquent, on ne doit pas limiter les fonds de campagne. Donc toutes les tentatives de limiter les fonds de campagne sur les dernières décennies ont échoué dès lors que la Cour suprême a décidé que ça n'était pas conforme au premier amendement de la Constitution américaine.